Nauru. Regardez ces feuilles de pourreau, elles ont été tressées. Je vais en reparler tout à l'heure au niveau de l'ouverture du four. Quand on va voir les sacs en toile de jute, avant c'était ça. Ok, ça plus grand. 80% du végétal qui couvre nos montagnes, le pourreau. Je ferai toute une présentation sur le pourreau tout à l'heure. Là, regardez les belles feuilles et tout ce qu'on peut faire avec. En tout cas, viens mon ami, c'est pour toi. Le ourou, différentes façons de le cuire. On peut le faire bouillir, comme j'ai pu le goûter aux Antilles, on le fait bouillir. On peut le mettre dans le four tahitien. La cuisson est différente, elle est plus sèche. Même c'est mangeable, mais je n'aime pas tellement. La meilleure façon de le cuire, c'est de le jeter directement dans la braise, comme des pommes de terre qu'on met dans du papier aluminium. Son papier aluminium, c'est sa propre peau. Et surtout, ne pas oublier de faire des petites entailles, car lorsque cette peau se prend crame comme ça, elle se craquelle en même temps que les ouvertures et le fruit n'explose pas. Alors que si vous ne faites pas, ça pourrait éventuellement casser le fruit. D'accord? Voilà. Une demi-heure, un fruit comme ça. 15 minutes d'un côté, 15 minutes de l'autre. Et après, on va le peler. Norbert, à toi maintenant, à toi l'honneur. Dans l'absolu, on pourrait dire qu'il y a plus d'une centaine d'espèces de ourou. On voit ça aux îles Hawaï où ils ont appris justement les différentes espèces. Moi, je dirais qu'ici, j'en connais un bon nombre. Je dirais qu'il y a 27 différentes espèces de ourou. Ils sont tous mangeables, mais tous ne sont pas bons à manger. Ça veut dire qu'il y en a qu'on va donner à manger aux cochons et puis ceux qu'on va manger, comme pour nous aujourd'hui, avec, qu'on va déguster avec le lait de coco. Donc, et le ourou, il faut savoir qu'il faut le cueillir 24 heures avant ou selon des espèces 48 heures avant et après le cuire, d'accord? Parce que celui-ci a été cueilli ce matin, donc la sève n'a pas encore eu le temps de bien imprégner le fruit encore. Bien que quelqu'un se réveille pour vous, moi, et à 4 heures, j'ai allumé le feu. J'ai allumé le feu pour chauffer les pierres sur lesquelles après on posera le panier avec toute la nourriture que vous allez avoir en grande partie sur le buffet. Ce tapis sera plus ou moins épais, sachant que j'ai 4 heures de cuisson, 8 heures à midi. On a fermé à 8 heures, on ouvre à midi. Ok? Ça, c'est ma gestion de mon four. Et en fonction de la force du feu, je mets un tapis avec 4 niveaux de ça, plus un niveau supplémentaire pour le cochon. Là où le cochon va être posé, il y aura un niveau supplémentaire. Ah, et en cuisine, il y a une autre partie qui est préparée. Donc, il y a la partie cuisine. Le feu était très fort. Voilà ici. Horatuyo. Vous voyez le basilic là? Je vous assure que là, il est moelleux, il est pas sec, il est tout ce que vous voulez. Les gars, vos bois sont là. Norbert, les bois. Tu viens, tu te positionnes aussi toi. Ah, vite, ça va brûler en dessous. Mignon, lève, mignon. C'est très court à lui, tellement. Toi, tu prends toute la longueur. Il n'a rien, lui, pour porter. Tu lui as donné que ça à lui. Bon, venez voir ça. Avec du lait de coco et du poulet. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, et dessous on ne voit pas, dans des paniers identiques à ceux-là, il y a du poisson. D'accord? Donc poisson, veau, cochon, poulet, banane plantain, banane et poêle dessert, épinards. Voilà ce qui a été cuit dans le chaud. Vous prenez un petit peu de chaque, appréciez,
retournez vous servir de ce que vous aurez apprécié le plus. Le pot est un dessert, vous le gardez pour le dessert, d'accord? Oui, mais on a pas besoin de lui ici. Ça, ça peut se mettre ailleurs. Voilà. Je vais tester, hein. Un tout, hein. Alors, c'est...